un petit tour et déjà vous avez un char extraordinaire qui arrive avec le Joker. Admirez ça, l'un des personnages vraiment au niveau cinématographique. Voilà. Si vous aimez donc, le cinéma, vous avez aimé le film, eh ben là vous allez voir vraiment un char extraordinaire. C'est comme ça que ça se passe. On vous rappelle que nous sommes lundi soir ici même à Bastia, parade nocturne. On vous laisse profiter. Il pique l'argent des formations pour mettre autre part. C'est un peu ça. Voilà! C'est un peu ça. La dame a dit, voilà. J'aime beaucoup, j'aime mon pays. Il y a de la spontanéité et les bons vous aiment. Vocabulaire, papa. Non, madame, comment vous dites? Voilà. Et puis la personne a dit, voilà! Non. Mais enfin, voilà notre travail. Et naturellement, au mercredi décembre, ben, ce monsieur va être incinéré pour renaître plus tard. Pour renaître plus tard, un peu pour renaître l'année prochaine et puis à la mi-carême pour dire que ça y est, l'embryon est déposé. Il y a de l'argent, mais il prend l'argent de formation pour mettre dans sa poche. Bon, regardez, gars, ça, rien qui billet 100, billet 500, billet qui dit plein coulet. Merci Laval, on applaudit le Laval et puis l'équipe à travers vos applaudissements et vos encouragements, mais vous applaudirez aussi ces jeunes créateurs, ces jeunes stylistes. Merci de les applaudir, c'est important. De retour, bien sûr, sur le tapis rouge, juste avant que le Vaval, justement, arrive. Que penses-tu de ce Vaval ? Eh bien, j'étais en train de me poser la question suivante. En quoi le Joker symbolise-t-il l'actualité guadeloupéenne ? Une tradition. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, le Joker est devenu, en fait, une personnalité qui représente beaucoup de choses sur le plan socio-économique, si on veut. Parce que c'est surtout cinématographique. Voilà. Mais parce qu'il représente bien plus. D'ailleurs, on va vous laisser regarder. Voilà. Oui. Viens là avant qu'on t'écrase. Admirez. Voilà le Vaval. En mode Joker, on vous rappelle que le personnage a été repris vraiment par plusieurs pays qui voulaient revendiquer un petit peu leurs droits. Et ici même, vous pouvez admirer vraiment, franchement le. Et accrocher à ses serres de l'argent, le travail des billets. Est vraiment exceptionnel. Attends, est-ce qu'on n'est pas devant la caméra? On va sortir devant la caméra. C'est extraordinaire. Il est un peu effrayant, hein. Et là, on voit que c'est un Vaval qui vole quand même l'argent des gens. Mais oui. On peut voir le drapeau de la Guadeloupe. On peut voir manquer aussi de l'eau. Bref, tous les problèmes qu'il y a ici en Guadeloupe. Encore une fois, le prochain groupe arrive déjà, Lisa. On voit que ça s'enchaîne et on a un personnage invité. Alors, comment tu sens le carnaval ce soir? Bien, Bastère. Qu'est-ce que tu veux dire au point, toi, qui sont pas descendus? Sans être tapé pour vous, vous n'êtes pas venus. Et les Bastériens qui sont chez eux, là, maintenant, là, qu'est-ce que tu peux leur dire? Mais tant mieux pour vous, vous êtes avec nous. Excellent, et merci à toi. Merci. Tout simplement, le groupe Magma. Ah, le voilà enfin. J'ai dit le groupe Magma, j'entends clac clac. Le voilà enfin, le groupe Magma. Eh oui, Magma arrive et je peux vous garantir encore une fois que niveau lumière, ça va être exceptionnel. C'est coloré, c'est lumineux. Le groupe Magma, on sait qu'il est pas terre et puis le thème de Magma ce soir. On vous rappelle encore une fois que le thème général c'est éclat lumineux, donc forcément tous les groupes auront une petite couche de lumière, comme Lisa à mes côtés qui a bien suivi le thème. Du thème. On vous rappelle aussi que Magma joue à domicile, bien entendu c'est un groupe de Bastère, plus de 102 carnavaliers dans ce groupe qui va arriver vraiment passer devant vous et vous allez. Qui était un groupe tout neuf, qui n'était pas très nombreux. Et là, il y a du monde, hein, il y a du monde qui arrive. Beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs. À côté du petit plancher, tout le reste. Pour exprimer un événement festif ce soir, Magma nous offre une féerie de couleurs et de lumière. Mesdames et messieurs, on applaudit Magma, on accueille Magma avec des applaudissements. Et puis ce serait tellement beau si vous vous mettiez debout, que vous dansiez en même temps pendant qu'ils avancent. Ils aiment ça. C'est le salaire de ces personnes qui dépensent leur argent pour pouvoir nous faire plaisir. Alors merci. Merci d'être généreux en applaudissements et en encouragement. Alors
juste avant leur arrivée sur le tapis rouge, on vous rappelle que chaque groupe participant au concours s'arrête environ 2 minutes afin de faire la chorégraphie devant le jury, et après le jury, bien sûr, votera. Encore une fois, le travail sera très 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 difficile parce qu'on peut voir le char de Manma est vraiment magnifique. On vous laisse profiter. Et bien sûr, n'hésitez pas à augmenter le volume et à danser chez vous. Le char est magnifique, le char est haut en couleur, très lumineux, on se croirait à Rio. Exactement. Bye-bye.
avec la joie de la vie et toutes ses lumières, la vie d'artifice de lumière. Bravo maman, bravo pour le travail que vous faites, et puis bravo pour ce monsieur qui est tout là-haut. C'est la Guadeloupe, c'est notre fortune, voilà, ce sont nos enfants. Merci de l'applaudir et tout le travail qu'ils font pour ce carnaval. Je vous l'ai dit et répété, et en plus c'est son anniversaire. Ils n'ont pas jamais plégué pendant plus d'un. Sur ce char, il fait ses 18 ans au carré. Magma existe depuis combien de temps? Magma a 38 ans cette année. C'est bien ça, c'est pas un groupe tout neuf. Et vous êtes combien? Ah, il faut compter 132 membres.
qui côtoient Magma en ce moment. De tous âges, hein? Oui, oui, tout âge, tout à fait. Merci beaucoup. Vous apportez beaucoup de joie. Comment? Vous apportez énormément de joie. Ah oui, cette année-ci, on a décidé de vraiment partager les choses avec le public. Merci beaucoup. Donc, on est là ce soir. Merci beaucoup, on vous laisse profiter. Merci beaucoup. Et vous êtes là avec le de Magma. On vous rappelle que, bon, vraiment, sans tout, on passe devant le c'est normal, donc ils vont passer devant la cathédrale, ils vont faire le tour devant la mairie, donc vous pouvez vraiment voir Magma si vous êtes à Bastia. Descendez, rejoignez-nous, merci Marie Claude. À bientôt. À bientôt. Alors que Prestige Time déjà et sur oui. Le tapis rouge, et oui, argenté, couleur argentée, puis on voit toutes les générations, c'est beau. Ah oui, il y a beaucoup d'enfants. Ah oui, ça c'est la future génération, on vous laisse profiter, à tout de suite. Donc Prestige Time même, il y a pas encore de même, et vous me direz votre thème, et tout ça. Alors tu prends des notes, c'est bien écrit. La splendeur, alors, l'émerveillement du lustre. C'est à peu près la même chose, non? Ah si, non, c'est pas si je veux. Oh, je préfère Camaro, tu m'as dit, on n'a plus rien à trouver. Alors si je veux. Mais c'est pas si je veux. Ce soir, c'est la parade nocturne, donc c'est pour cela que vous voyez toutes ces personnes avec sa bille qui brille. On vous laisse apprécier la choré.
n'est-ce pas qu'elle est jolie? Elles sont, vous êtes toutes belles, mais elles se démènent, on sent que c'est elles. Mais bravo! Voilà l'avenir de notre carnaval. Et toi, là, devant, vous êtes comme un œuf de refus. Bon, mais on fait pas ça. Bon, on fait ça. Voilà. Voilà! Mais vous êtes toutes jolies. Vous êtes, vous êtes. Tu sais qu'elle a souri pour 30 points dans le concours. Dès qu'il y a une personne qui ne sourit pas, c'est égaux. Tu es obligé d'avoir la crampe jusqu'à... Le reste, on doute, mais pas... Des encouragements pour... Attention, il faut faire des exercices respiratoires. Voilà, on peut commencer. L'avenir du pays, pour ses enfants, mais je les aime. Et puis continuez comme ça. Je vous attends... Allez, on va dire dans 10 ans. Je serai peut-être au bâton, non, non, pas encore. Je serai peut-être mais au moins, quand il a, sachez pas, bah, ou bien au sol. Bon, les enfants, on vous attend plus bien. Moi, je vous attends surtout l'année prochaine, avant les 10 ans. Et bravo à vous. Voici ça. En avant, n'oubliez pas, messieurs le souris, je dis que tu as droit à la crampe jusqu'à la fin des vacances. Voilà. A tout à l'heure alors, et surtout à demain dimanche, je vais être là, occupé de mes chaussures. Du carnaval tropical de Paris et d'Île-de-France. Ouais, voilà. Donc on est en Guadeloupe pour participer comme chaque année avec les reines du carnaval. Et cette année on a un petit plus, c'est le groupe Tropicana de Villeneuve-Saint-Georges qui est magistère du carnaval de Paris à 4 reprises et qui est là cette année en Guadeloupe et qui sera là demain à Basse-Terre. D'accord. Et quelles sont vos premières impressions depuis tout à l'heure? Comme chaque année, c'est une très bonne impression sur les efforts qui sont faits par les carnavaliers parce que c'est un investissement qui est financier énorme. Donc je leur tire mon chapeau, j'ai vu un très beau décor qui arrive derrière, donc le public n'a pas qu'à s'endormir. Mais il me semble que le public ne dort pas. Non mais je pense que ceux qui sont à la télé, donc il faut qu'ils regardent. Merci justement, beaucoup. On a l'impression que le carnaval de Paris se développe de plus en plus. Il est très attendu. Ça se passe en juillet, si je ne me trompe pas. Ça se passe le 5 juillet. Voilà. Mais on a lancé une nouvelle manifestation qui s'appelle L'Outre-mer met en scène son carnaval. C'est le 28 juin prochain, c'est une semaine avant le carnaval tropical. C'est deux événements qui se concurrencent. On est avec la région Île-de-France une semaine avant. Et après, on est toujours avec la mairie de Paris, avec qui on travaille maintenant depuis 20 ans. Ok, merci président. On vous laisse profiter bien sûr de la parade nocturne. Vite. Et oui, tous les représentants du carnaval sont là, Paris est là, Montpellier, j'espère que vous êtes là. Et bien entendu, le prochain groupe arrive, bien sûr, il y a Volcan. Oh là là, on les attend, ils sont attendus comme des messies, comme des dieux. Ici, ils arrivent, ils entrent sur le tapis rouge. Bien sûr, on dit Volcan, on dit synthé, on vous laisse apprécier la musique. Ça se passe à Basse-Terre. Mais cher super-héros, d'où vient Volcan? Hey, Volcan, Basse-Terre. Ah, on vous laisse profiter. C'est ça! Avec un encode de Let's go.
applaudissements. Madame, le groupe Volcan. Lorsque je vous dis quelque chose, parce que je vous vois dans cette vidéo. Et oui, bien sûr. Depuis, avec le CT, des répétitions de fou. C'est bien. Bien entendu. On vous rappelle qu'ils vont participer. C'est que je suis André Volcan. Et bien, je sais que c'est Volcan qui a pris ma part. Et oui, nous sommes avec Volcan, le groupe de Basse-Terre, le groupe phare de Basse-Terre. Ils sont juste derrière moi. Nous sommes en mode parade nocturne encore une fois. On vous rappelle qu'ils ne sont pas en concours, mais ils nous font profiter. Vraiment, c'est extraordinaire. Il y a des lumières partout. Des lumières partout. Venez pendant le président avec nous. Président, un petit mot, bien entendu. On attendait le carnaval, on attendait votre patience avec vraiment votre place avec impatience. Un petit mot pour la parade nocturne ce soir. La parade nocturne cette année pour nous, c'est l'amusement total. L'amusement, c'est tout le monde. C'est pour ça qu'on est au concours. Et on le prend cool, et on s'amuse. On vous laisse profiter de la musique. Et à tout à l'heure. Merci, président. Le groupe Volcan, on vous rappelle encore une fois, ils sont hors concours ce soir, ils sont juste venus là pour s'amuser et vraiment vous donner du plaisir. On vous rappelle aussi que quand on dit Volcan, on dit c'était, donc j'espère vraiment que vous avez pu apprécier la musique de Volcan que vous avez dansé chez nous. On salue bien sûr tous ceux qui nous regardent via internet, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Paris, Montréal, Londres. Et bien sûr, on se quitte en musique. On est quoi? On est lundi, c'est vrai. Ça prouve que vous suivez, on est encore. On n'a jamais le dernier mot avec moi. Si on ne peut pas. Everybody,
Ici en Guadeloupe, bonsoir carnaval. Bonsoir à tous, c'est une excellente joie d'être ici, de découvrir le carnaval de Basse-Terre pour la première fois, donc je suis heureuse de participer. Et quand je vois toute cette foule, ces beaux costumes, j'ai qu'une hâte, c'est de vous inviter, même par les médias, à nous rejoindre le 28 juin au Panthéon, ou alors le 5 juillet sur les Champs-Élysées. Wow, ben on sera là, l'invitation est lancée. Qu'est-ce qu'on peut dire à tous ceux qui nous regardent là de Paris, dans le froid, ils doivent être au moins 3h du matin, 4h du matin chez eux, ils sont loin chez eux, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ben déjà vous dire, chers compatriotes, je pense beaucoup à vous, mais notre culture, il faut la faire perdurer à travers les médias, si vous ne pouvez pas vous déplacer, mais de temps en temps, même une fois, tous les deux ans, venir vivre le carnaval, car c'est notre richesse et c'est notre joie de vivre. Merci beaucoup. Merci infiniment. On juste derrière moi, vous merci pouvez TV. On vous laisse profiter. Et à bientôt. À très bientôt. Dans cette position, c'est pour saluer le public. Alors s'il vous plaît, répondez à leur salut. C'est important. Et oui, comme vous avez pu le constater, le groupe Voukoum est arrivé sur le tapis rouge. Et ils ne claquent pas leur fouet, par respect. Exactement. Par respect pour aussi saluer le public. Si vous voulez voir les fouettards, rendez-vous, bien entendu, au cœur de Basse-Terre. J'en profite, mon cher super-héros, pour remercier nos sponsors. Je pense que c'est le moment de saluer nos partenaires. Je pense qu'il est temps de saluer nos partenaires. Nous avons à saluer l'agence Mon Char Voyage. Tout à fait. Nous avons également Sixte. Ah voilà. Nous avons. Nous devons également ne pas oublier de saluer les assurances Vega qui se trouvent à Sainte-Rose, mais aussi à Jarry. Alors il est important de signaler l'adresse. C'est pluriel Walbourg, Jarry, 97 122 BMAO. Sans oublier Nina Désil également, Nina Désil que nous saluons. Et je voudrais particulièrement remercier le groupe Avant-Vent, qui m'a prêté ce magnifique costume pour pouvoir faire le carnaval aujourd'hui. On vous rappelle encore une fois, on a déjà vu Magma, on a déjà vu Volcan, on attend Caleçon, Phoenix, Arioka, Carmelo, Waka, Ambiance Mass, Bouillotte, Doré, Piquant, Vim, L'Héritage, qui laisse masse. Et oui, on attend tous ces groupes-là ce soir sur le tapis rouge à Basse-Terre. On vous rappelle qu'on est juste devant le Champ d'Arbeau. Donc si vous êtes à Basse-Terre, n'hésitez pas à déplacez-vous, venez. Il ne pleut pas, il fait super bon ce soir. Ça vaut le coup. Et puis la soirée ne fait que commencer. Exactement, on a plein de représentants d'un petit peu partout. On a toute la délégation de Paris qui vous ont donné, bien sûr,
que ce soit la reine mère, que ce soit le président de la Fédé, rendez-vous en juillet, bien entendu, parce que forcément le carnaval, notre carnaval voyage. On vous rappelle aussi que demain, il y a au moins 57 groupes voix. Plus, on sera là à 13h jusqu'à minuit. Est-ce que tu es prête? Oui, ah oui, oui, je suis prête. Je suis prête, il n'y a aucun problème, je suis prête. Vraiment, pour assister à toutes ces à toute cette musique, à toute cette couleur et puis cette énergie qui est vraiment. C'est très particulier. Hein, ça prend au trip. Hein. Exactement. Et puis on voit que le public a répondu présent. On voit que le public est chaud ce soir. Honnêtement, il se lève à chaque passage. C'est vraiment extraordinaire. Là, le groupe Caleçon Star, si je ne me trompe pas, arrive sur le tapis. Caleçon Star, encore une fois, on vous rappelle que c'est la parade nocturne, donc vous verrez pleine lumière. C'est beau. En plus, nous sommes en HD sur ETV. Caleçon Star est juste là, au rond-point. Ils arrivent. Ils arrivent avec beaucoup de lumière aussi. Hein. Exactement. C'est ça la beauté en fait du carnaval. Le soir, le lundi soir, c'est ça. Ce sont les lumières. Et bien sûr, on salue le travail de tous les carnavaliers qui font des nuits blanches. Vous n'avez même pas idée pour vous proposer un spectacle extraordinaire. Donc encore une fois, on salue les carnavaliers. Demain, c'est l'avant-dernier jour avant mercredi décembre où nous allons tirer Raval, comme on dit. Mais on a encore deux beaux jours pour profiter. Il faut profiter. Et petite modification, c'est Caleçon All Stars. Tout à fait. Caleçon All Stars qui arrive. Et là encore, vous verrez. Vous verrez le char est magnifique. On a aussi le roi du carnaval de Paris. Tout à l'heure, on va le prendre, Lisa. Je suis sûr que Lisa va aller le chercher. Va aller le chercher pour l'interviewer. En attendant, on vous rappelle encore une fois que le carnaval ce soir, du moins la parade, commence à rue Lardenois, passe au Champ d'Arbeau, descend, fait le tour de la ville de Basse-Terre, passe devant la mairie et bien sûr s'arrête devant le palais de justice. Donc vous avez encore le temps de venir. La reine mère veut dire un petit mot. Oui, on accueille la reine mère encore une fois. On vous écoute. Alors, que pourrais-je vous dire? Merci pour l'organisation, merci pour l'invitation. Et je passe un merveilleux moment avec la fédération. Et soyons heureux, restons en musique, car le carnaval, c'est notre patrimoine. Voilà, le patrimoine, le respect de la nature. Merci beaucoup. La reine mère du carnaval de Paris et d'IDF 2019, elle est magnifique. Merci, un grand bonjour à ma famille. Ah oui, pour des ans. À mes enfants et un grand bonjour à tout le monde. Merci. Merci infiniment. Merci. Encore une fois, on va laisser passer de la beauté de la reine mère. Et oui, à Paris, à tout ça, à toutes ces élections. Caleçon All Star arrive, encore une fois. On voulait vous laisser la surprise. Mais notre ambianceur vous a un petit peu dévoilé à quoi va ressembler le char. Un épouvantail. Exactement. Et on vous laisse. On vous laisse. On